Bienvenue dans Nostalgie Fun Outdoor. Est-ce que ça va ce soir? Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez des bonnes vacances sur NCI et sur Nostalgie. Ce soir, plein feu sur des artistes qui ont décidé de changer positivement les choses à travers leur musique. Et oui, ce soir, le gospel sera à l'honneur dans ce numéro de Nostalgie Fun Outdoor. Et comme c'est une émission musicale, on a prévu le best pour vous, les meilleurs artistes et le meilleur orchestre. Faites du bruit pour le LFO Band! Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Nostalgie Fun Outdoor. Et oui, je le disais, ce soir c'est du gospel avec les plus belles voix de cette scène musicale qui vont se produire en live sur le plateau de Nostalgie Fun Outdoor dans quelques instants. Mais avant cela, bonsoir public, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ah oui, on a beaucoup de chance de les avoir. C'est le meilleur public de toute l'Afrique. Ouais, on peut le dire. Ah, ils sont formidables, ils sont formidables. Eh ben, vous faites bien de dire alléluia, oui, puisque ce soir, nous allons recevoir un grand homme de la musique gospel made in Côte d'Ivoire. Quand il débarque à Abidjan, dans le début des années 90, eh bien, c'est pour devenir artiste et pour mettre, vous savez, son grain de voix au service de Dieu. Il s'est imposé en quelques années comme l'une des figures incontournables de la scène musicale chrétienne en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, ce soir, rien que pour vous et pour votre plus grand plaisir, Onel Mala sur le plateau de Nostalgie Fun Outdoor. Oh,
Te bénisse, Tia. Plus fort que ça, s'il vous plaît. Merci. Plus fort, merci. Oh, merci, Tia. Oh, c'est sympa. Dieu vous bénisse, les gars. Eh ben, bonsoir, Onel. Comment vas-tu? Je vais à merveille par la grâce de Dieu. Et toi? Mais je vais très, très bien. Hein. Tu sais, nous, on est là toutes les semaines, pendant toutes les vacances. Que Dieu soit loué. Et on a beaucoup de chance de recevoir les meilleurs artistes comme ça sur cette scène, en live. Et ce soir, eh ben, tu es à l'honneur dans ce numéro de Nostalgie Fun Outdoor. Merci. Et on est vraiment contents de t'avoir, Onel Mala. Ben, le plaisir est partagé, du coup. Ah ben, tant mieux. Ça m'arrange. Merci. Alors, Onel Mala, c'est 25 ans de carrière. Oui, par la grâce de Dieu. Oui. 25 ans de carrière, jonchée de haut et de bas. Oui. Mais même les bas m'ont permis de monter encore plus haut. Mm-hmm. La preuve est là aujourd'hui. Je suis sur ce merveilleux plateau avec un charmant public en train de célébrer cela avec vous. Voilà. Alors, au bout de 25 ans de carrière, qu'est-ce que tu retiens finalement? Je retiens que Il faut qu'on s'aime. Ah. Et je retiens aussi que mon rôle et le rôle de tout serviteur de Dieu sur cette terre, c'est propager l'amour de Dieu. Il n'y a rien de mieux que l'amour de Dieu. C'est pourquoi, pour mes 25 ans justement, c'est une célébration, certes de 25 ans de carrière, mais c'est la célébration de l'amour de Dieu manifesté, de la fidélité de Dieu manifestée. Donc, ce qu'il y a à retenir, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, au stade où on en est, marchons des mêmes pas. Et je suis content de me retrouver sur ce plateau avec Tia pour marcher en même temps et ensemble dans l'amour. Voilà. Alors, toujours en ce qui concerne tes 25 ans de carrière en El Mala, tu les as célébrés hein, il y a quelques mois. Tu as commencé la célébration. On est en plein là-dedans, en plus. Donc, il y a eu de beaux concerts hein, qui ont eu lieu à Abidjan. Si. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir tout ce monde réuni comme ça pour célébrer avec toi toute cette belle carrière? Est-ce que tu t'attendais à cet engouement? Oui, je m'attendais à cela parce qu'il faut dire que les gens, enfin, les frères, les sœurs, tout le monde me disait, tu nous manques, t'es passé où, vivement, un concert et tout. Alors, je n'ai pas pris ça pour une flatterie, parce que c'est un public sérieux, et un public vrai qui me suit. À l'Hôtel Ivoire, la fois dernière, ils l'ont démontré, ils sont venus en grand nombre, et je bénis Dieu pour cette célébration. Alors, Onel Mala, il va se passer plein de choses dans cette émission. Oui. On a une petite heure à passer ensemble avec tous les auditeurs de Nostalgie et les téléspectateurs de NCI. Il va se passer beaucoup de choses, de la bonne musique hein, sur cette scène. Et une autre grâce, hein, c'est d'être accompagné d'un si bon groupe, oui, le NFO Band, qu'on va écouter maintenant.
c'est ce soir dans Nostalgie Fun Outdoor. Alors, Onel, on voit qu'il y a une nouvelle scène quand même de jeunes artistes hein, qui ont décidé de chanter pour Dieu, pour le Seigneur. Quel est ton regard justement sur cette nouvelle scène, on va dire gospel, ou pour ne pas dire chrétienne? Alors, je bénis Dieu pour cette nouvelle génération, et parce qu'il dit dans la parole de Dieu que la seconde gloire, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ça veut dire que la nouvelle génération a le devoir de faire mieux que l'ancienne génération. C'est vrai que tu ne t'appelleras jamais Onel Mala, mais si tu es venu après Onel Mala, c'est que tu es venu apporter un plus qu'Onel Mala a, je veux dire, au-delà de ce qu'Onel Mala a apporté. La nouvelle génération aujourd'hui, le chant est en train de faire cela. Je pense à Kaïs Blum, je pense à Morija, et pour ne citer que ce nom. Donc, c'est formidable ce qui se passe. La musique gospel, aujourd'hui, tu ne peux pas assister à un concert sans qu'il y ait un chant qui soit invité, que ce soit un concert chrétien comme un concert mondain, un païen. C'est toujours le gospel, la nouvelle génération est vraiment à l'œuvre. Il faut les soutenir, il faut vraiment... C'est vrai qu'il y a certains dérapages, hein, mais ça se comprend. Il ne faut jamais faire l'omelette sans casser les œufs, non? Hein? Eh bien, justement, alors en parlant de cette nouvelle génération, eh bien, ce soir, on va vous permettre d'assister à une belle prestation artistique d'une jeune artiste qui est l'exemple même de ce dicton « Tout quitter pour le suivre ». C'est vrai qu'elle a commencé avec de la musique dite du monde et elle a décidé eh bien, de laisser cela pour venir vers le gospel et pour chanter à la louange de Dieu. Sa voix unique et majestueuse vous laissera, non, certainement pas indifférent. Eh bien, mesdames et messieurs, des ovations pour Lia. Et tous mes combats, c'est toi. Oui, Baba, c'est toi. Quand la loi me condamne, tu viens prendre ma place et je revis par ta grâce. Je ne peux rien sans toi, Baba. Et Baba, je ne puis rien sans toi, Baba. Mignon mien, je ne peux rien sans toi, Baba. Et Baba, je ne puis rien sans toi, Baba. Mignon mien. Chaque matin dans ma vie, l'ennemi a beau se lever, me persécuter. Je sais qu'avec toi, la victoire est de mon côté. Tu m'as prise dans la boue, tu m'as lavé, m'as positionné à la table des rois. Jamais personne l'a fait pour moi, Baba. Je ne peux rien sans toi, Baba. Et Baba, je ne puis rien sans toi, Baba. Mignon mien. Bye.
Bonsoir Lia. Bonsoir Tia. Comment vas-tu? Très bien, par la grâce de Dieu. Bon. Alors, comment tu te sens? Bien. Bien. Tu avais un peu le trac, hein, j'ai l'impression. Un peu. Mais tu as vu, ils sont gentils, hein. Oui. Le public, ah oui. Alors, le temps que tu reprennes tes esprits, moi, je voudrais que Connell Mallard, oui, se prononce un petit peu sur la performance et sur l'artiste qu'est Lia. Mais voilà, le gospel est en train de prendre encore du terrain. Je suis béni d'avoir sur cette scène avec moi Lia. Et elle m'a dit tout à l'heure qu'elle faisait de la musique dans le monde. Et aujourd'hui, elle est venue dans le gospel. C'est la nouvelle génération du gospel. Et c'est quelqu'un déguisé. Voilà, elle n'est pas venue pour apprendre. Elle est déjà formée. Et sur le terrain, justement, je pense que c'est ce que Dieu attend de nous. Si tu faisais zoblazo avant, et puis tu drainais du monde là, quand tu viens à l'église, il ne faut pas changer. Il faut faire du zoblazo, parce que c'est parce que tu draines du monde dans ton zoblazo là, que Dieu a besoin de toi pour aussi drainer du monde dans son camp. Et je bénis Dieu pour la vie de Lia qui n'a pas changé. Parce que j'ai connu beaucoup de chanteurs qui étaient dans le monde et devenus chrétiens, ils veulent devenir pasteurs, ils veulent devenir prophètes. Et ils laissent de côté leur premier amour. Je dis non, il faut reprendre le premier amour. Et je crois que c'est Lia qui a eu le beau réflexe. Alors Lia, c'est vrai que quand tu es arrivée sur scène, j'ai vu certaines personnes du public qui ont dit « Ah mais c'est elle, mais oui, mais c'est elle !» Alors, pour que les choses soient claires, hein, parce que j'imagine que les téléspectateurs et les auditeurs aussi ont eu ce même réflexe, ton premier single, ton premier tube qui t'a fait découvrir au monde entier, c'était lequel? Je te laisse le fredonner un tout petit peu. « Ne m'en veux pas, je veux que tu restes là. » Tu délires, tu fais la java. Pour toi, tout dessin s'arrête là. Ne m'en veux pas, je veux que tu restes là. Tu délires, tu fais la java. Pour toi, tout dessin s'arrête là. Eh ben, dis donc. Elle chante bien. Hein? Elle chante bien. Elle chante super bien. Hein? On peut dire que Dieu a déniché le gros morceau. Hein? Voilà, imaginez cette voix-là rester de l'autre côté, c'est Dieu qui perdait du terrain. Et je pense que Dieu, comme il est tout puissant, il a su tirer une telle valeur dans sa maison. C'est que du bonheur pour nous. Alors, justement, Lia, comment a eu lieu l'appel, justement? L'appel, ce changement de cap, ce changement de direction, non pas artistique, mais plus dans le message, finalement, dans le fond que dans la forme. Ça s'est passé comment? Il faut dire que Lia n'a jamais quitté la maison. En fait, j'ai grandi dans cet univers pastoral. Mon père est pasteur. Donc, c'est juste que j'étais un peu égarée, je suis revenue. Mais il faut dire que le déclic, c'est qu'on ne peut jamais l'expliquer profondément, en fait. Parce que ce qu'on ressent là, c'est comme un manque, en fait. C'est comme quelque chose que tu dois combler, comme un vide que tu dois combler. Et je pense qu'il fallait que je revienne. C'était que ça, en fait. Et tu te sens bien aujourd'hui? Merveilleusement bien. Alors, moi, je peux dire que... On parle bien dans le micro, Nel, pour comprendre. D'accord, OK. Alors, Lia, tu n'étais pas perdue. Tu étais en formation. Voilà, tu étais allée en formation, tu étais allée scruter d'autres horizons, justement, pour savoir... je disais à quelqu'un, notre pays, là, on dit le vrai bonheur, pour ceux qui sont vivants, il faut dire, c'est lorsqu'on l'a perdu. Mais pour nous qui sommes vivants, c'est le vrai bonheur, on l'apprécie mieux de loin. Et quand tu es sorti de l'église, tu es allé loin et tu as vu qu'il y a quelque chose que tu as laissé derrière qui est une bonne base. Donc tu es revenu à la base, mais cette fois-ci outillé, c'est bon. Alors Lia, on vient d'écouter hein, ton tout dernier single, Baba. C'est quoi la suite, puisque là on est en plein pendant les vacances, donc là, tu es en pleine promotion hein, de ce titre Baba. Qu'est-ce qui arrive? Il y a un album derrière? Oui, il y a déjà un single qui doit encore sortir dans, on va dire quoi, fin juillet, et l'album est pratiquement fini, mais bon, on observe un peu, question de voir si on peut le sortir soit fin d'année ou début d'année prochaine. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Parle-nous un petit peu, donne-nous voilà, quelques petites infos croustillantes. Il va y avoir beaucoup de belles choses sur cet album, coloré,
Voilà, j'ai pas voulu travestir ma musique comme Papa Onel l'a dit tout à l'heure. J'ai voulu rester dans le même mood. Voilà, donc ça sera ça. Ça sera de belles choses, de belles sonorités afrobeat, de belles sonorités des chansons acoustiques et tout. Voilà, c'est prévu. Vous allez déguster. Eh bien, on va déguster ça et on l'attend avec beaucoup d'impatience. Merci beaucoup, Lia. Merci, Thia. On va te raccompagner sous un tonnerre d'applaudissements parce que merci. Tu le mérites amplement. Eh bien, voilà. Allez, pendant que Lia quitte la scène, eh bien, on va écouter le NFO Band. Il est une véritable icône de la musique gospel en Côte d'Ivoire, Onel Mala, et sur le plateau de Nostalgie Fun Outdoor. On va l'applaudir encore très 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 fort, s'il vous plaît. Et comme on ne va pas bouder notre plaisir, Onel, tu vas retourner sur scène pour chanter. Okay. Je crois que c'est ma chanson préférée de toi. Ah, oui, on va en parler après. Ok. Hein, et puis... si je suis inspirée, ne t'étonne pas de me voir arriver auprès de toi. Hein. N'hésite surtout pas. Bon, eh ben très bien. Onel Mala avec son dernier single, oui. Atou. Au point où nous en sommes, marchons des mêmes pas. Faisons-nous atou. Fais atou à quelqu'un à côté de toi. Yeah. Atu, Atuo, 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 la
la la la la la tuna amano kalo mare ni kwadi nessa kubali golo golo e mono ta teo teo atu ti atu espero dio no no golo lolo e mono atu Applaudissements pour Tia, s'il vous plaît. C'est merveilleux. Non, applaudissez Onel Malheur. Non, non, applaudissez Tia. Bon, tu vois que le message est bien passé, hein? Oh, j'ai remarqué. C'est un public qui n'est pas là que pour assister, pour regarder, mais c'est un public qui est là pour participer. Et ça, c'est le meilleur public. Oh. Alors, rapidement, je voudrais que tu nous parles un tout petit peu de cette chanson, à tout, parce que le message est fort. Merci. Alors, le morceau m'a été inspiré pendant le temps de Covid. Vous savez, j'ai vu des hommes richissimes, alors qu'ils pouvaient se taper la poitrine tout le temps, et même qu'ils profitaient pour rabaisser certaines personnes. Mais ils se sont vus impuissants devant une petite maladie, juste la toux, que toute leur richesse ne peut guérir. J'ai vu des gens qui tombaient malades, voulaient juste voir ne serait-ce qu'un visage, le visage d'un être aimé, avant de rendre l'âme. Mais leur vie s'est arrêtée là, ils n'ont pas pu voir ce visage. J'ai vu des gens qui ont espéré demander pardon, qui se sont rappelés qu'ils ont fait du tort à quelqu'un dans leur maladie. Ils voulaient juste trouver l'occasion de demander pardon à ces derniers, mais ils n'ont pas eu l'occasion. Leur vie s'est arrêtée là. Nous qui sommes aujourd'hui vivants, après cette épidémie, je pense que celui qui n'a pas su tirer enseignement de ce que nous avons traversé et qui continue de se taper la poitrine, c'est celui-là qui n'a rien compris, c'est celui-là qui n'aura rien compris de la vie. Parce que moi, la leçon que j'ai pu tirer, qui m'a inspiré ce cantique, c'est qu'au point où nous en sommes, il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus riche que celui qui apprend à aimer. Ouais, il est fort, hein, il est fort. Il est formidable, Onel Malheur. Merci, Tia. Ah, ouais. Merci. Ah, ben là, qu'est-ce que je peux rajouter derrière ça? Bah, écoute, reste là, parce que ta présence aussi, ça illumine cette émission. Merci beaucoup. Alors, Onel Malheur. Oui, Tia. On va passer à la séquence suivante de cette émission. D'accord. On y va pour l'instant fun. Alors l'instant fun, c'est cet instant de l'émission durant lequel on apprend quelque chose d'un petit peu insolite te concernant. Alors peut-être un don particulier, un don caché. En faisant des recherches, j'ai appris que
tu faisais des percussions. Un peu. Ouais. Et alors, un instrument qui s'appelle le yomé. Le yomé, oui. Exactement, qui est oui. un instrument traditionnel. Traditionnel, c'est un shaker traditionnel. Exactement. Voilà, nos parents, ils font ça avec la calebasse, une petite calebasse avec des trucs dessus. Et puis, voilà. Exactement. Ça, voilà, ça bon. Donne un son. On en a ou on n'en a pas? On n'en a pas. Non, bon. On n'en a pas. Mais alors... Mais ça produit ce son. Ouais. Attendez. On l'a trouvé notre don caché. Voilà, ça y est, on l'a. Il sait faire donc le yomé avec la bouche. Bah oui. Ah oui, attends. Alors, t'as besoin de quoi? Qui peut t'accompagner? Est-ce que c'est le public qui peut taper des mains? Est-ce que ce sont les instrumentistes? Dis-nous ce dont t'as besoin là pour nous faire une petite prestation de yomé version bouche. Oula. Ok, tout le monde peut participer. Hey les gars, d'ailleurs, apprenez des leçons, d'accord, hein? à défaut. C'est ça, non? On dit toujours, à défaut de ce qu'on veut, ouais. On se contente de ce qu'on a. Mais absolument. Donc, quand souvent le yomé n'est pas là et que la musique tonne, qu'il faille donner quelque chose pour satisfaire le public, bah on improvise surtout avec la bouche. C'est pourquoi souvent, vous me verrez dans mes prestations en train de taper tam-tam dans la bouche. Et puis bon, là, c'est parti. Eh bien, voilà. Bon, alors, Onel Mala, moi, j'aimerais oui. que tu nous expliques comment ça se fait que tu es aussi proche de certains artistes dits du monde. Hein, on te voit très proche de Dariel Chenet, on te voit très proche de Bordoli Kunfa ou de Shaolin, pour ne citer que ceci. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui t'unit à ces artistes? Alors, j'ai tiré exemple sur ce qui s'est passé entre Dieu et nous. Au départ, quand Dieu se fâchait, il leur donnait, depuis là-haut, là-bas, il leur donnait, et puis les choses arrivaient ici. Il dit, ah, déluge, vous avez péché, tout le monde, déluge sur vous. Et déluge vient, après il voit que Sodome et Gomorrhe sont en train d'exagérer, il a dit, feu sur vous. Le feu est venu, mais ça n'enlevait pas, ça n'éradiquait pas le péché. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait chair. Il est rentré, comme Dieu est esprit, il est rentré dans un moule, dans un corps... disons, un corps banalisé, tout comme certaines autorités prennent des véhicules banalisés parce qu'ils ont une mission accomplie, ils ne veulent pas qu'on les voit. Donc Dieu aussi a choisi un corps banalisé. Et il est venu. Il est venu là même, tout le monde s'attendait à le voir naître. Parce qu'on dit, c'est le Messie qui va naître, les prophéties ont tourné. Et tout le monde l'attendait dans une clinique super de la place, quoi. Mais il a choisi une mangeoire là où les animaux mangent. Et puis il a dit, appelez-moi l'agneau de Dieu, tout ça, tu vois. Parce que c'est les moutons qui mangent là-bas. Et tout ça pour être proche de nous. Et même pour être proche de nous, il a mis 30 ans. 30 ans à nous étudier, à grandir avec nous. Jésus s'est battu même avec des amis dans le quartier. Il a pleuré aussi, il a porté couche, il a porté tout. Tout. Rien que pour être proche de nous, faire comme nous. Et c'est ça qui lui a permis maintenant de toucher du doigt le réel problème de l'humanité afin de faire le sacrifice adapté à nos problèmes. Ce qui fait de nous aujourd'hui des chrétiens qui parlent beaucoup, beaucoup, qui chantent beaucoup, beaucoup là. C'est ça. Donc, mon rôle aujourd'hui auprès de ces jeunes, c'est qu'il y a quelque chose de Dieu en eux. Nous tous ici, il y a quelque chose de Dieu en nous. Il y a des gens qui sont convertis aujourd'hui, mais qui, des années en arrière, n'étaient pas convertis. Alors, comme le monde va de façon, je veux dire, c'est un processus, c'est tout un processus. Ce n'est pas tout le monde qui doit donner sa vie aujourd'hui. Mais une chose est sûre, ne restons pas loin de ces personnes
que nous voyons qui ne sont pas encore à l'église. Nous les voulons dans l'église, mais ils ne sont pas encore dans l'église. Ce n'est pas le lieu de leur jeter la pierre parce que nous aussi, on était pécheurs avant et Dieu nous a acceptés. Il n'a pas tenu compte de notre état de pécheur. Il a juste aimé, il nous a juste aimé. C'est son amour-là qui nous a transformés. Ce n'est pas les jugements de Dieu qui nous ont transformés. Voilà pourquoi vous me voyez avec ces jeunes-là, parce qu'ils finiront un jour, voilà, serviteurs de Dieu. Voilà. Alors, Onel Mala, bon ben, oui. On boit tes paroles, hein, c'est incroyable. Wow. C'est incroyable. Que Dieu soit loué. Ah. Alors, on est dans une émission musicale ici. Oui. Hein? Et on a une deuxième surprise pour toi. D'accord. Après l'IA, on a un autre artiste à vous proposer ce soir sur le plateau de Nostalgie Fun Outdoor. Il côtoie la musique depuis 2007 et il était membre du groupe Healing. Quelques années plus tard, il revient en solo avec ce titre « Pas sans moi » qui fait sensation. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir sous une ovation Chilo Fils. Ah, Chilo. Merci. Chilo, Chilo. Waouh, 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 waouh. Chilo. Mais quel talent. Ah, j'en ai des frissons, hein. Il y a de quoi. Alors, non seulement la voix, mais en plus... les mots, le message. Bravo, Chilo. Bravo. Merci. Nous rendons la gloire au Seigneur. Onel Mala. Que dire? Un mot pour ton cadet. C'est que du bonheur. Chilo, quand j'étais couché dans ma chambre une fois et j'entendais, j'ai mis une chaîne de gospel au salon et puis j'étais couché dans la chambre. J'écoutais. Et puis... le chant a commencé. C'était les mêmes phrases. Père, quel que soit ce que tu fais cette saison, ne le fais pas. Mais à chaque, comment on appelle ça, transposition, oui. Voilà, le mercure monte avec les mêmes paroles, mais avec un autre esprit, avec un autre... Ben, je suis sorti de la chambre. Mais qui chante? Qu'est-ce que je vois? C'est Chilo qui est en train de chanter comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que l'Éternel a déposé en ce garçon? Wow. Chilo, parle-nous un petit peu de ton parcours. Comment tu es arrivé au gospel? Alors, je bénis le Seigneur, je te salue, c'est un honneur pour moi d'être là. Ma famille est chrétienne, c'est-à-dire mes parents, mes grands-parents, tout le monde servait Dieu. Et ma maman me racontait que quand j'étais plus petit, très petit, quand on préparait vers midi, 13 heures comme ça, et quand j'avais faim, je me mettais dans un coin de la maison avec un bâton, je prenais les casseroles, je tapais et je commençais à chanter. Donc je veux dire, c'est à partir de là que le virus du chant, de la musique a commencé à monter en moi. Et puis plus tard, j'ai intégré le groupe musical de mon église où j'ai appris à chanter. Voilà, depuis 2007, j'ai fait le chœur de pas mal d'artistes. Et puis je suis sorti moi-même pleinement en 2010 avec mon binôme, Sax, avec qui on a créé le groupe Healing. Oui. Et puis en fin 2018, je me suis séparé d'avec lui. Et d'un commun accord, hein, c'était pas. C'est mon gars. Est-ce qu'il n'y a pas là même dans le milieu chrétien? Même s'il n'y a pas là, ça chauffe même pas. Ah bon, d'accord. Ça chauffe. C'est pas chic alors. Voilà. Et depuis 2020, voilà, je poursuis ma carrière solo et Dieu m'a fait de très belles surprises. Et justement, cette semaine, je viens de signer avec une maison, une grande maison de production qui va Bravo. Merci. Non, on te souhaite le meilleur. Amen. Alors, on va parler de tes projets dans un instant. D'accord. Mais aujourd'hui, tu es sur la scène de Nostalgie Fun Outdoor. C'est l'émission musicale de référence, hein, de ces vacances. Tu es à côté d'une légende, d'une icône, en la personne d'Onel Mala. Qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens aujourd'hui? Oh, Onel Mala, c'est-à-dire que je n'aurais pas vraiment de mots pour qualifier le talent de cette personne qui est devant moi. Je le dis toujours, si on devait appeler une personne par le nom de l'humilité, ce serait lui. Parce que Onel Mala, en plus du grand talent qu'il a, il est très humble. Comprenez, c'est un monsieur...
qui a accepté de voyager avec moi dans l'avion. Mais en classe éco, il a dit, mais moi, je ne peux pas être en business et puis mon petit, on va dans le même pays. Et puis toi, tu es en éco. Il vient s'asseoir avec moi. On arrive dans le pays, sa chambre est là, ma chambre est là. Je lui demande tout ce que je veux, il me dit. Mais pourtant, il y a des gens qui sont un peu fermés, des gens qui ne sont pas accessibles. Mais lui, il est très accessible. Et puis, c'est ce que le Seigneur a vu et il a fait de lui le meilleur chanteur. Ça, je le dis, je pèse mon mot, le meilleur chanteur masculin de toute la francophonie. Il va me faire rougir. Je rougis. Malheureusement, quand un noir rougit, on ne sait pas quelle couleur il a. En plus, sinon, vous me voyez comme ça, je rougis. En plus que le costume, il est vert, c'est du rouge. Africain. Oye. Bon, alors, Chilo, oui. Parlons de tes projets musicaux. Donc, tu viens de signer avec une belle maison de production. C'est quoi la suite? Alors après, passons-moi, qu'est-ce qui arrive? Alors, on est en studio, on a signé juste après la signature, à 22h, on est rentré en studio, et nous sommes en train de préparer 14 titres qui vont finir à la fin du mois de juillet, et puis on va faire la promotion de l'album. La maison de production me promet un concert à la fin de l'année, et puis une tournée internationale à partir de 2014. Eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. Amen. Chilo Fils, Amen. Sous vos applaudissements! Yes. Merci beaucoup, Chilo. Merci. Chilo. C'est moi. Merci. Ah oui. Ton Benia. C'est son concept. Merci. Bon, eh bien, vous savez quoi? Il est déjà l'heure de passer à la dernière prestation de notre invité, Onel Mala. Eh oui. On aurait envie de rester des heures et des heures avec vous, hein? Voilà. Et avec toi, Onel. Mais bon, on sait que tu as un programme. Toute chose à une fin. Exactement. Onel Mala, alors c'est vrai que on n'arrive pas trop à qualifier finalement le style de musique que tu fais. Appelons ça de la variété. Variété. Ou sinon du gospel, l'évangile chanté. J'ai entendu aussi de l'afrofusion. Oui. Ouais. Toi, tu te classes comment? Tu te classes où? Si je veux m'attribuer un style particulier, je vais me limiter. Il y a tellement de super styles qu'on peut exploiter. Je dis toujours à mes enfants, à ceux qui veulent apprendre de moi, ne vous limitez pas. Il y a tous les genres musicaux. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est des abrutis qui disent que tel style est du diable, tel style est pour Dieu. Mais écoutez, Do, Ré, Mi, Fa, Sol est joué dans l'église comme hors de l'église. Donc, utilisez les mêmes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, guitare, batterie, tout ça là, c'est notre devoir, c'est notre droit d'exploiter cela. Donc en matière de style musical, je n'ai pas un truc attribué à moi. Je fais, appelons cela de la variété, tant que le psaume 150 nous ordonne et nous autorise cela. Voilà. Eh bien, mesdames et messieurs, pour sa troisième et dernière prestation, Onel Mala sur la scène de Nostalgie Fun Outdoor. C'est merci. Parti. Merci. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Oh Lord, on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Oh, vêtu de gloire, Adonai viendra, oh, on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, on dira, alléluia, 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 alléluia. Ce jour-là, on dira, alléluia, 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 alléluia. Oh, 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 oh. Et pour moi, nous qui
avons gardé la foi. Oh ouais, il sera notre roi. Il sera le sujet de notre joie. Et tout œil le verra, toute langue le confessera. Et devant lui, tout genou fléchira, tout genou fléchira, lui rendra honneur et gloire. Oh, ce jour-là, on dira, alléluia, 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 alléluia. Oh, ce jour-là, on dira, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tout le monde sera là. Oh, tous les jeunes et tous les vieillards. Ah, les enfants, j'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa. Envie de voir ça. Hey, yeah. L'aveugle le verra. Chantera pour lui, le paralytique se lèvera et dansera. On dira, Maranatha, oh, Maranatha, 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 oh, oh, on dira, Maranatha, oh, Maranatha, 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 yeah. Oh, il est le père des orphelins. L'orphelin le verra. Et il verra en lui son papa. Alors, si tu es un orphelin parmi nous, ne te soucie pas, il y a un père là-haut qui veille sur toi. C'est pourquoi je dis, l'orphelin le verra. Et il verra en lui son papa. Ses larmes de malheur d'autrefois soudain se transformeront en larmes de joie. L'eau, l'eau. L'incrédule verra ça. Et puis, il voudra se mordre les doigts. Oh là là. Mais ce sera trop tard. Car nous, on sera déjà loin, loin, loin. Avec Dia, loin, loin. On dira, Hosanna, 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 na 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 na. On dira, Hosanna, 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 Hosanna. Nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais le maître arrive, Jesus. Et les signes sont évidents. Est-ce que tu crois au retour de Jésus ici? Oui, il vient pour toi et pour moi. Chantons ensemble, vêtus de gloire. Here we go. Vêtus de gloire, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera, et on l'appellera. L'appellera le lion. Encore vêtu de gloire, vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Reviendra. Et Adonai, on l'appellera, on l'appellera, on l'appellera. Nos statues feront d'or. Ah, on dira, on dira, alléluia, alléluia.
Alléluia. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Onel Mala, s'il vous plaît. Merci, Tia. Merci, merci, merci. Beaucoup d'applaudissements pour Lia. Et un maximum de bruit pour Chilo Fils. On n'oublie pas, oui, de taper très, très fort des mains pour le groupe, le NFO Band, mesdames et messieurs. Et on espère que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie. C'est déjà la fin, mais ce n'est pas grave, pas de souci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Nostalgie Fun Outdoor. Bye bye!